ceux qui ont effectué des missions avec l'administration, on sort du pays où on prend des vacances parce qu'on a eu un document pour dire on est en vacances ou on est en congé. D'accord? Ce n'était pas le cas pour le ministre directeur Cissé. Pour son déplacement, il a été demandé de rentrer. Il a estimé qu'il ne rentrait pas. Et administrativement, ça s'appelle ne pas travailler, quoi. Quand vous devez être au travail, vous n'êtes pas au travail, il faut que le travail continue. Surtout qu'on est dans une refondation, ça va vite. Donc des personnes aussi compétentes que lui ont été choisies par le chef de l'État pour assurer la continuité du secteur qui est la SONAP très sensible. C'est ce qui est la vérité. Il était sorti du pays sans un document. Et pour un séjour qui est relativement long, il lui a été demandé de rentrer. Il n'a pas voulu obtempérer. Donc, il appartient à l'administration de prendre ses responsabilités. Je vous rappelle encore une fois qu'un État, c'est l'ordre et la discipline. Quand ça manque dans un pays, il ne faut pas espérer un développement. À côté de ça, j'ai aussi entendu mille autres choses qui ne sont pas des versions officielles. Absolument. Ce qui s'est passé, ce que je sais, c'est ce qui s'est passé. Ça a commencé par une suspension signée par ma personne. Ensuite, un décret a été suivi.